vous pensez du blog Les Images de Renata? Alors, le blog des images de Renata, c'est un blog, comment je pourrais dire, qui est bien, qui est gay, qui donne envie de dessiner. J'aime beaucoup y aller, lire des articles, on apprend plein de choses, et puis de fil en aiguille, on apprend à connaître Renata, qui est quelqu'un de très généreux. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans? La page Facebook, le fait de pouvoir partager des dessins? Oui, j'aime bien la communauté des personnes sur Facebook, c'est sympa le partage, de se voir en plus, quand on se voit en dehors, c'est encore mieux, on arrive à connaître les gens et ça c'est génial. Et puis voilà, c'est un moment de partage, on a tous un point commun, c'est le dessin, et c'est vrai que c'est quelque chose de riche. Puis quand on a tous ce même point commun, c'est que du bonheur. Ouais. Voilà. Et par rapport à la formation, qu'est-ce que vous avez le plus plu? Tout. Tout? J'ai bien aimé, comme on parlait tout à l'heure, elle va sûrement couper, mais j'ai bien aimé le tarif, j'ai bien aimé la longueur, j'ai bien aimé la générosité de Renata dans ses vidéos, dans ses exemples. Tout est bien construit, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière, c'est quelque chose que je faisais, on peut revenir en arrière et refaire un module tant qu'on veut. Puis voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé sa formation. D'accord. Ça y a tout le monde. Très bien. Et ça vous a permis de vous améliorer? Oui. Vous avez vu la différence? Ah, complètement, oui. D'accord. Même ma prof de dessin m'a vu quelques temps après, elle m'a dit mon coup de crayon avait changé. C'est vrai? Oui. D'accord. Et là, j'étais très contente. Je lui dis à Renata. Et grâce à la pratique ou certains exercices La pratique, l'exercice, puis suivre les conseils de Renata. D'accord. Super.